Alors, la Banque de France est présente à Station F depuis septembre 2017. Elle a répondu à l'invitation de la préfecture de région Île-de-France qui souhaitait travailler avec les services publics, avec l'idée que ce n'était pas aux start-up d'aller à l'administration, mais à l'administration d'aller aux start-up. Donc l'idée, c'était de proposer un service modernisé et de proximité, et la Banque de France s'est inscrite dans ce dispositif. La Banque de France, qui est à Station F, propose des entretiens individuels pour les start-up. Dans ce cadre, elle leur propose une orientation et un accompagnement en s'appuyant sur sa connaissance des principales sources de financement et des réseaux de l'écosystème. D'autre part, en étant à Station F, on est aussi en lien avec la French Tech. La French Tech, c'est l'écosystème des startups partout en France. Et nous, nous avons un sujet qui concerne la cotation des entreprises. Alors celles-ci sont en hyper-croissance. Elles ont des besoins de financement additionnels, mais elles ont aussi des bilans. Et donc, elles rentrent dans notre radar d'analyse. Et donc, on réfléchit avec la French Tech à des méthodologies d'analyse de ces startups qui tiennent compte de leurs spécificités. La Banque de France a souhaité s'engager auprès de la French Tech. L'offre de service qui a été testée ici à Station F a été validée par le gouvernement de la Banque de France. Et donc, nous allons déployer une offre qui s'appelle Correspondance Startup partout en région, ou plus précisément dans les capitales French Tech. Alors, ces capitales sont 14. Aujourd'hui même, nous réunissons nos correspondants. Ils sont en formation, à la fois pour la partie orientation et pour la partie cotation, pour avoir les clés qui les aideront demain à développer, comme nous l'avons fait ici, un service moderne et de proximité pour les startups partout en région. Alors, en région, ce dispositif va nous permettre de dégager plusieurs leviers. Le premier, c'est une formidable opportunité de montrer la Banque de France sous un jour extrêmement contemporain sur nos territoires. Et puis, on va se rapprocher évidemment de réseaux innovation que l'on ne connaît pas ou pas suffisamment. Ça va être un moyen d'infiltrer aussi les écosystèmes où se trouvent les entreprises innovantes, les accélérateurs, les incubateurs. Et puis, c'est une opportunité pour valoriser notre expertise à travers, par exemple, la cotation, mais aussi notre offre d'accompagnement, d'orientation de ces dirigeants d'un autre genre. Et donc, ce dispositif, finalement, va nous permettre d'être acteurs de cette dynamique French Tech pour faire émerger les leaders économiques tech de demain. C'est tout le propos de ce dispositif. Ce qui est très intéressant, c'est que nous partons d'une feuille blanche. Moi, je suis ravie d'être à la genèse d'une dynamique qui est centrée sur le monde de l'innovation et le monde de l'entrepreneuriat. On rassemble ces deux sujets au cœur de cette mission. Ça veut dire aller à la rencontre de nouveaux interlocuteurs pour nous, tant côté réseau, plutôt dédié innovation, donc, dont le financement, que côté usager, c'est-à-dire ces fameux start-upers avec une manière d'entreprendre qui est vraiment très caractéristique. Et être ici à Station F aujourd'hui, c'est être dans une mini learning expedition by Paris.